Salut encore et bienvenue une fois de plus dans cette édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Depuis fin avril et durant tout le mois de mai 2022, l'aventure du sucre à Beauplan accueillait une exposition de l'artiste pluridisciplinaire Ashok Kalwah. Cet événement, qui se tenait du 28 avril au 31 mai 2022, s'intitulait « Escouli, travail, auto, moulin » et se plaçait sous les auspices du 1er mai, journée annuelle de la fête du travail. Composée d'une riche collection de photographies, cette exposition était en fait le troisième volet d'un projet entamé quelques années plus tôt par Ashok Kalwah sous le titre générique « Escouli ». « Escouli » a été réalisé en trois phases. Ce troisième volet à l'aventure du sucre, focalisé cette fois sur les travailleurs, le labeur et les structures sociales autour de l'industrie sucrière. Un véritable voyage à travers la mémoire et à travers un passé qui semble toujours porteur de leçons pour l'avenir. Ashok Kalwah, voilà, vous pouvez présenter une exposition à l'aventure du sucre. L'IFOM aussi d'une série un peu plus grande qui nous commençait un peu des temps, appelée Escouli. Alors voilà, ça c'est un troisième volet. Raconte-moi un peu ce qui t'a amené à sa série-là. Bon, cette exposition à l'IFOM aussi un gros projet. Et ça a commencé, en 2021. Je m'appelle le projet-là Escouli. Aujourd'hui, c'est la troisième exposition sa série Escouli. Escouli, c'est un nom qui moi me crée, un mélange de esclave et couli. Finalement, Escouli, quand mon envie exprime sa quand il exprime plutôt qui esclave et couli. À la fin, nous avons un seul destin, l'île Maurice, quand nous avons envie de construire un pays qui fait bon à vivre. Alors, dans Escouli, premier volet, il est consacré à ban immigrants indiens, qui nous fait dans le contexte l'arrivée ban premier immigrant à Maurice. Deuxième volet, c'était l'abolition de l'esclavage, qui nous fait en février, l'année dernière. Et la troisième, particulièrement dans le cadre du fête du travail. Premier Escouli où tu fais ça, justement, à Brassegat. Deuxième où tu fais à l'île de Beaune, au village du Beaune. Zodi, troisième où fin tenir à faire lier à l'aventure du sucre. Qui ça représentait pour vous? Ramène sa troisième volée là, dans sa lieu là. Quand une cause fête du travail, moi pensais premier, fête vraiment qui nous besoin faire, c'est pour l'industrie sucrière, right? Pour ben travailler, parce que tout commençait là. Et moi pensais retourne vers un moulin, lui tellement naturel, dans le sens que tout commence ici. Et la vie qui autour du moulin, nous, tout nous l'économie qui autour ça, moi pas trouve comme dire un lieu plus pour moi les sacré. Étant donné qu'ils m'ont vivre dans parage un moulin, m'ont vivre dans un camp sucrier, pour moi un moulin c'est sacré. Alors au lieu mon cas est loin et moi de ça, mon penser l'approchement de ce lieu historique sacré pour un travailleur, mon penser c'est un des meilleures places. Il y a même un temple que nous sommes capables vraiment célébrer le travail et que nous travailler. Et je pense que c'est ça qui est important, qui fait mon envie de faire sa troisième exposition là ici, dans un cadre qui autour du moulin. Ashok, il cherche à témoigner face à une modernité de plus en plus rapide, face à des métiers qui sont en voie de disparition. Ashok, il cherche à nous partager son regard sur le labeur, sur le travail, sur le savoir-faire des ouvriers, des artisans,
des gens des champs qui donnent de leur temps, donnent de leur passion et donnent de leur courage pour fabriquer le sucre et puis aussi pour fabriquer tout ce qui va autour du sucre. On peut penser aux forgerons, on peut penser à plein de métiers, jusqu'au coiffeur ou au barbier. Hein, autour du sucre et autour du moulin, il y a tous ces métiers qui font les villages, la façon dont se sont constitués les villages à Maurice. Cette partie, l'aventure du sucre, en fait le témoignage. Et il a été merveilleux de rencontrer Ashok, qui s'inscrivait dans cette même veine et qui a voulu lui aussi, avec son propre regard, donner ce témoignage sur ces femmes et sur ces hommes et quelque part leur dire merci et les mettre à l'honneur, tout comme l'aventure du sucre les met à l'honneur. Donc on va dire que cette rencontre, elle a été, comme je disais, naturelle avec le travail, le projet d'Ashok Kaloa. Alors, cette exposition-là, elle est inscrite dans le cadre de la Journée internationale du travail. Et finalement, dans une journée comme ça, pour qui nous vient célébrer, est-ce que c'est le travailleur, est-ce que ce sont les droits, ou bien est-ce que c'est aussi l'activité? Ça veut dire, là par exemple, c'est la canne, après on va en coiffer, etc. Métier, activité, des affaires. Pour moi, moi penser cette exposition-là, en même temps, il peut célébrer le travail et le travailleur, la personne, l'homme et la femme derrière le travail. Tout le temps qu'on nous cause développement économique, nos pays, nous cause progrès, nos pays, nous avons une tendance, comme on dit, à être un petit peu là-haut, ben, une élite, donc qui façon de construire ce pays-là. Mais ça, petit travailleur qui peine la personne pour revendiquer ce droit. N'oubliez qu'il est important, qui est à la base du développement économique de nos pays. Moulin, ok? La canne à sucre. Nous prenons une cuillère de sucre, nous mettons dans nos idées, nous sucrer, nous faire la bouche doux, nous boire, les doux. Mais nous oublions qu'ils efforts qu'ils vont travailler à nous faire, qui comptent la sueur à nous couler avant qu'ils nous capables de produire ça de sucre qui nous peut dire les doux. Alors, le travail autour du moulin, l'IP dit merci pour sa bande de monde qui panzise de nous un circuit doux, mais aussi une sucré nous la vie. Dans le genre qui zone contribué, zone faire Maurice, vine ce qu'il y était aujourd'hui. Est-ce que cette collection, cette exposition nous rappelle justement la valeur d'une activité aujourd'hui qui a sans doute changé depuis son inception à Maurice? Donc c'est l'industrie de la canne, elle a connu diverses facettes, voilà, des dynamiques, des défis, etc. Alors est-ce que c'est aussi une occasion de célébrer cette activité autour d'une plante, autour de la canne à sucre et autour de... Alors la canne a vraiment forgé l'identité mauricienne. Moi, quand je suis arrivée à Maurice il y a 25 ans, on m'a dit, vous savez, nous, on a le fangourin qui coule dans nos veines. Donc, il y a beaucoup d'émotions quand on regarde ces portraits. Parce qu'encore une fois, c'est un moment, un passage. Il y a une évolution autour d'un secteur sucrier qui aujourd'hui est devenu un secteur qu'on appelle cannier. Et je pense que c'est un véritable témoignage d'une période, d'une époque, devant laquelle, encore une fois, on ne peut que s'émouvoir. Il y a une sorte de nostalgie, mais c'est presque rassurant. On a beaucoup de métiers manuels qui sont en train de disparaître. Donc de les voir, c'est encore l'île Maurice d'aujourd'hui, mais c'est une île Maurice qui s'éloigne. Donc c'est pour ça que je veux dire, il y a quelque chose de très rassurant et encore une fois nostalgique, pittoresque de notre île. Et puis, je pense que quand le temps s'en va,
Il est important pour les jeunes générations de savoir ce qu'a représenté en son temps cette industrie, cette ingénierie, les hommes et les femmes et les savoir-faire, leurs savoir-faire qui sont derrière. On a tendance à l'oublier. Quand je suis dans mon sucrier, dans mon enfance, mon corps rappelle que ma bande travaillait très tôt le matin, 3h du matin. Je vais prendre une bicyclette, je vais au travail, je vais au coupe-canne. Et pour eux, ce qui tient un peu autant, qu'avant le soleil levé, avant que ce soleil-là vraiment commence à taper les autres la tête, et j'ai envie au moins de compléter la moitié de travail. Alors là, je peux allumer mon fanal dans le carreau, que au moins je peux gagner l'éclairage pour couper les cannes. Alors, quand nous cause l'industrie sucrière, un travailleur qui peut couper, peut charger, qui peut remplir un wagon pour amener l'usine, mais tout autour du moulin, c'est une la vie qui m'a pensé qui extraordinaire. Par exemple, faire blanchier, les bisins faire ça la lampe pétrole. Potier, les bisins faire ça la lampe la terre qui peut éclairer la case, la tente, parce qu'il n'y a pas d'électricité à l'époque. Nous utilisons un charron, par exemple, qui, à l'époque, apporte nous un camion Bedford, right, qui une fait aux autres preuves. Nous utilisons une charrette. Et aujourd'hui, nous ne trouvons aucun charron. Nous utilisons un mandimoun qui peut faire le charbon. Alors, je pense que tout ça, un métier autour du moulin, c'est très important. Pasis, d'ici Cannes. Et tout le métier qui tient autour du moulin, je pense que c'est une forme de la vie qui tient autour de la canne à sucre et autour du moulin. Je pense que ce du moulin est important. Et vraiment, je fais beaucoup et je fais beaucoup d'efforts. Et je mérite un retour pour que nous sommes capables de réamener en termes de photos qui bien fait, qu'il faut, et amène-lui là, mettre-lui dans une exposition pour dire qu'il ouais, merci pour tout ce qu'ils ont fait. Le gros accent, comment on dit, c'est le travail, le labeur. Une fois que c'est un bon petit lot la canne, justement. Alors, causement, justement, de sa côté canne-là, et de qui fait bien une envie, justement, à l'eau métier, l'eau travail, l'eau dimoun qui fait travailler. Bon, pour moi, cette exposition-là, il y a un petit peu la crème de tout ce projet-là en entier. Il y a beaucoup plus mon vécu. Il y a beaucoup qui m'a fait ressortir, qui m'a donné. En 1963, là, quand Maurice Patti encore gagne l'indépendance, bien sûr. Alors, je peux causer une période côté, un petit peu avant l'indépendance, après, et là, je peux causer l'industrie sucrière, quand je suis né moi-même dans un camp sucrier. Je suis né à Beau Séjour Piton. Pour moi, un camp sucrier, c'est une smart city, complet, mais quand il y a beaucoup plus l'apportage, tu as une joie de vivre, tu as beaucoup plus de familiarité entre voisins. Nous vivons dans une communauté, ce qui est beaucoup plus frappant, ce qui nous est content. Nous pouvons vivre une vie modeste, mais c'est moi nous tiens beaucoup la joie, le partage et l'amour. Et il est vraiment fort et moi j'ai envie qui vraiment me passe ce message-là à tout le monde mauricien qui, voilà, quelques années de cela, 50 années de cela, nous pouvons vivre dans une communauté qui est vraiment fait bon vivre. Et je ne crois pas que c'était un hasard. Quand tu as un camp sucrier, je pensais beaucoup de gens comme Fuel, Sugar State. Et nous appelons les Happy Village. Et je pensais, ça dit que les gens qui appellent camp sucrier Fuel Happy Village, ils tiennent vraiment à cœur ça. L'émotion, ça l'envie vivre, ça l'envie partage. Tout le monde passe ou la case ouverte, sans crainte, ou qu'a dormi, ou qu'a quitté la case ou aller.
sans que quelque chose arrive dans la case. Moi, penser ces bonnes quelque chose, ces bonnes valeurs, ces bonnes cultures, ces bonnes quelque chose qui nous peut perdre. Et moi, penser qui les grands temps qui nous causent ces bonnes affaires là et nous faire la jeunesse mauricienne comprendre que c'est un aspect vraiment mémorable qui nous besoin garder et nous besoin vraiment retourner dans le passé et vivre ce bon moment-là. La vie communautaire, la vie de partage. Avec globalisation, comment nous dire, bon, il y a un avantage dans le sens, oui, mais nous sommes tellement dépendants de plusieurs affaires. Et nous dépendons de ce nous manger, nous importons presque tout. Le tout bon outil qui nous besoin pour nos propres développements. Vous pensez, nous devenons totalement dépendants de l'extérieur. Et dans l'époque qui m'a fait cause avec vous, quand nous vivons dans le camp sucrier, nous sommes autosuffisants dans la plupart de nos affaires. Right? Pas d'issique, mais légumes, volailles, l'élevage. Dans tous les sens, et nous n'avons pas besoin d'aller loin pour nous capables de gagner ce qui nous besoin. Nous là, et si moi, mon papa peut faire une partie, mon voisin peut faire une autre partie, l'autre voisin peut faire une autre partie, dans un seul village, nous tenons à tout. Parfois, nous n'avons pas même besoin de déplacer pour nous aller dans l'autre village pour nous gagner ce qui nous besoin. Ce dont témoignent ces photographies, c'est vraiment tout un système où l'homme était lié à la production, à la terre, en quelque chose de cyclique. Alors, est-ce que c'est une vision passéiste ou alors finalement, est-ce que c'est une vision qui est encore une fois d'actualité maintenant lorsqu'on parle de développement durable, etc. Alors, cette exposition, elle s'inscrit dans la charte de développement durable de l'aventure du sucre. Et plus globalement, dans les objectifs du développement durable, on parle des ODD de l'UNESCO. Pourquoi ? Parce qu'il faut rappeler que c'est une exposition artistique, patrimoniale, et qui a pour vocation de transmettre, conserver et transmettre. On sort d'une période difficile avec le Covid, et cette période nous a rappelé qu'il fallait prendre soin de notre terre, qu'on avait besoin d'en prendre soin pour prendre soin de nous-mêmes, pour manger, qu'il fallait prendre soin de notre environnement parce que finalement, notre environnement, le réchauffement climatique, la terre, elle s'en fiche, elle sera toujours là. Par contre, nous, on ne s'en fiche pas parce que s'il y a des gens qui doivent disparaître, c'est les humains, hein, ce n'est pas le reste de la terre. Donc je crois aussi que cette exposition peut amener à cette réflexion sur ce qu'on fait, ce qu'on faisait autrefois, ce qu'on fait aujourd'hui, comment on le fait, par rapport à un enjeu global qui est de se nourrir, vivre en bonne santé, aller vers l'éducation. Nous avons une réponse, nous avons une façon de faire, nous avons un pilier économique, nous sommes capables d'être autosuffisants dans beaucoup de secteurs. Qu'il y ait agricole, qu'il y ait production, dans plusieurs secteurs qui nous peuvent causer. Ça, l'attitude technologique qui nous a adoptée, nous sommes tellement dépendants de ces affaires-là, qui, bon, avec la guerre actuellement, vous pouvez, nous tournons dans une situation que nous pouvons avoir un problème carburant, nous pouvons avoir un problème, même pas qu'on n'est pas nous pouvons importer du blé. Plusieurs bandes d'affaires peuvent bloquer. Par contre, nous tenons tous les moyens, nous avons tout le savoir-faire pour nous capables d'être autosuffisants. À
Est-ce que vous pensez qu'en cette ère de numérisation et de virtualisation de toutes choses, de toute activité, est-ce que la valeur du manuel, voilà, est-ce que finalement c'est, est-ce que le salut du travail et de, je sais pas, la prospérité, est-ce que ça se trouve, comme vous mentionnez, dans, voilà, la main et retrouver les outils. Voilà, l'usage de la main pour faire, voilà, surtout dans une globale, un système global qui est en panne, j'imagine, en ce moment. Voilà. Tout à fait. Donc dans un système global qui justement a subi une crise, et on voit bien les limites aussi de ce système global, Ashok nous invite à repenser notre rapport à l'objet, notre rapport au travail, notre rapport à la créativité. Bien sûr que la créativité, elle passe aujourd'hui par le numérique, mais elle peut passer par bien d'autres chemins, et notamment de savoir utiliser des outils. Vous savez, quand vous allez n'importe où dans le monde, et je le sais parce que je suis française, particulièrement en France, un des métiers les plus demandés aujourd'hui, c'est les métiers autour du bois, autour de la fabrication, autour de la création. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui travaille une charpente, un charpentier ou un ébéniste, il cède du numérique. Donc ce sont des gens modernes qui vont céder des outils actuels, mais qui savent aussi, et des machines hein, qui ont changé, mais qui savent aussi utiliser leurs mains comme leur pensée pour fabriquer des objets, et en général de beaux objets. Donc tout ça, on le retrouve dans l'exposition d'Ashok, qui met en avant, une fois de plus, qui met en valeur cette façon de penser nous, l'outil, le travail, quelle empreinte on va laisser, qu'est-ce qu'on va faire de bien pour nos enfants, pour notre terre demain. Escouli travaille autour moulin prenait fin ce 31 mai 2022, une initiative qui complète la trilogie d'Ashok Kalois. L'événement n'aura pas manqué de nous rappeler que notre héritage et notre patrimoine détient aussi quelques clés vers un futur prospère. Un message vers un futur prospère. Un message de nos aïeux donc pour nous indiquer un nouvel horizon sous le signe de la durabilité et de la résilience. Nous sommes arrivés presque à la fin de cet épisode. Voici quelques annonces d'événements en cours avant de se quitter. La 39e édition du Salon de mai s'étend jusqu'à ce vendredi 10 juin. Rendez-vous à la nouvelle salle d'expo de l'École des Beaux-Arts du Mahatma Gandhi Institute MoCA pour un dernier regard sur ce panorama de l'art contemporain mauricien. Du 11 juin au 3 juillet, le Codan Art Center vous propose les œuvres de 180 artistes sélectionnés dans le cadre du Samudra Art Prize. Des œuvres ayant un but commun, sensibiliser le public sur l'importance de notre récif corallien et notre biodiversité marine. Ce samedi 11 juin à Port-Louis, l'Institute of Contemporary Art Indian Ocean, ou ICAIO, invite les artistes plasticiens mauriciens à une journée porte ouverte et une rencontre avec Mario D'Souza, responsable de la programmation à la Biennale de Kochi. Une occasion de construire un réseau et de générer des collaborations autour d'un projet régional à venir. Ce sera entre 10h30 et 14h30. Veuillez contacter l'Institut pour les modalités de participation. Du 23 au 26 juin, le Mauritius International Art Fair, une initiative de The Arts en partenariat avec l'EDB, revient pour sa deuxième édition. Cela se tiendra à la Galerie du Génie, dans l'enceinte d'Edith à la rue Edith Cavell. Une riche programmation et une exposition très variée associant l'art contemporain local, régional et international vous y attend. Nous vous tiendrons au courant des différentes manifestations associées à cet événement.
Point final à cette édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Soutenez l'art et le paysage culturel mauricien. On se retrouve la semaine prochaine pour un rendez-vous haut en couleur. Restez en ligne. Thank you.